الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم قلنا قوله تعالى وهو على كل شيء قدير المراد بالشيء هنا كل ما يصح وجوده كل ما يمكن أن يدخل في الوجود الله سبحانه وتعالى عديد القرآن الكريم الآية وهو على كل شيء قدير Là, ce qui est voulu par le mot est toute chose, c'est-à-dire tout ce qui peut rentrer dans l'existence, tout ce qui est possible rationnel, tout ce qui est possible rationnel, ce qui accepte l'existence. Tandis que ce qui n'est pas... Euh, possible rationnel, ce qui ne rentre pas dans l'existence parce qu'il est impossible dans la raison qu'il rentre dans l'existence. Ce qui est impossible qui rentre dans l'existence, on ne dit pas que Allah est incapable de le faire ou capable de le faire puisque Il n'accepte pas l'existence. les lesouhan yuqal, Ibn Hazm wa Allah ce c'est pas valable ce qu'il a dit, Allah est capable pour avoir un fils. Mais c'est n'est pas valable de dire ça, parce que c'est comme tu dis, avoir un fils pour Allah est une chose possible selon la raison. Si tu dis Allah est capable de le faire, ça veut dire pour toi l'impossible est devenu possible. Et Allah Ta'ala n'est pas un corps, n'est pas une matière, n'est pas une quantité, n'est pas un volume, et c'est pas possible qu'il accepte la division. Or, le fils veut dire division, quantité, quantité, et engendré, ainsi de suite. Alors, ce qu'il a dit est très faux, mais lui, Ibn Hazm, est très faible au niveau de l'aqidah, hein, et il est rentré dans quelque chose qui n'est pas dans son domaine, et il est allé au péril à cause de ça. al wahhabiyya al wahhabiyya ibn وابن عبد الوهاب اغبياء قالوا الله قادر على الظلم <applause> لا هل يصح ان يقال الله قادر على ظلم يصير به ظالما يصير كافر اللي بيقول هيك بصير كافر اللي بيقول هيك هل هل يجوز ان يقال الله قادر على كذب يصير به كاذبا؟ بصير كافر اللي بيقول هيك، اذا هذا ممتنع عقلا لا يصح ان يدخل في الوجود، فاذا كان لا يصح ان يدخل في الوجود لا يقال قادر عليه ولا يقال عاجز عنه، لا يقال حتى كلمه عاجز عنه لا يقال انما هذا لا يصح وجوده، فالقدره لا تتعلق به بكل بساطه. جدي انكور لي Ceux qui sont très, très stupides, ceux qui attribuent à Dieu le corps, c'est des stupides. Ces gens-là, ils ont dit. Ibn Raja al est parmi ces gens-là, il a écrit dans son livre que Allah est capable de faire une injustice. Mais l'imam, l'ash'ariroullahou anhu, هذا الإمام الفهيم، هذا الإمام الذي رزقه الله سبحانه وتعالى العلم والنور والتوحيد والتميز. Et il a dit, on n'a pas le droit de dire Allah est capable de faire une injustice par laquelle devient injuste. C'est lui qui dit ça, il sort de l'islam. Et il a dit, c'est pas valable de dire Allah est capable de faire une mensonge et par laquelle devient menteur. C'est lui qui dit ça, il a insulté Dieu, il devient mécréant. Alors, tout ce qui est impossible, selon la raison, ne rentre pas dans l'existence. Puisqu'il ne rentre pas dans l'existence. Pourquoi tu vas dire capable ou incapable? Du fait qu'il ne rentre pas dans l'existence, on ne dit même pas, on ne dit pas le mot incapable, parce que incapable, lorsque la chose accepte l'existence, et tu dis après, moi par exemple, moi je ne peux pas faire, ah, je suis incapable, parce que la chose accepte l'existence. Mais lorsque une telle affaire ou une telle ordre n'accepte pas l'existence, alors il ne faut pas dire capable ou incapable. On dit mumtani en arabe, on dit mumtani, mustahil, mumtani, mustahil, c'est-à-dire selon la raison, et il n'accepte pas l'existence. De ce point de vue, on ne dit pas Allah est capable de le faire ou incapable. Et ça n'implique pas l'impuissance pour Dieu. Tout d'abord, on ne dit pas Allah est incapable de faire, ça ne se dit pas, c'est une impolitesse. Euh, envers Allah c'est une manque de respect envers Allah le fait de dire qadir même pour ce qui est impossible selon la raison on n'utilise pas ce terme. Mais en dehors de ça on dit la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible. Ah ça c'est pas une impuissance ça c'est pas une impuissance et l'impuissance on dit lorsque la chose accepte l'existence et que on peut pas la faire. C'est là on dit c'est une ampouissance. لما يكون الامر يصح وجوده، لما يكون الامر يقبل الوجود، ان كان يصح وجوده ويقبل الوجود والقدره قاصره عنه تقول انكابابل تقول غير غير قادر. اما كل ما يصح وجوده ربنا قادر عليه لا يعجزه شيء. كل ما يصح كل ما يقبل الوجود. الله قادر على فعله من غير مشقة تلحقه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Tout الله إلو تو دو لو فير سون ديفكولتي، كوم أنا سيتي الآية إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، سيفادير الله تعالى لو كخي سون ديفكولتي، معنى كن فيكون أي سيفادير سون ديفكولتي الله لو فير، إكزيستي سون ديفكولتي ولا ولا مباشرة ولا مماسة، أنا أتخبيو الله تعالى لي ممبر إي لي قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أنتو فو فوريي نو ليزيومان أوني كومبيا، دي Et depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, des milliards. Et Agog et Magog, c'est des milliards. Et je, encore, que ça, on va rester combien sur Terre? Encore, il y a des milliards. Tu vois, mille milliards parmi les humains. Ou dix mille milliards, même tu peux dire. Ou oh, tu dis cent mille milliards parmi les humains et les djinns. Le fait de les faire créer, les faire mourir, anéantir, après les ressusciter, pour Dieu, comme le fait de créer une personne, mourir, fait mourir, إلا إذا أن يحيي الله تعالى مئة ألف مليار من البشر ويميتهم حتى تبلى أجسادهم في التراب ثم يبعثهم عند الله تعالى هذا مثل خلق واحد وإماتته وبعثه سيان كل أمر عليه يسير كل أمر عليه يسير، الله سبحانه وتعالى، لكن عم نحكي عن ايش؟ ما يصح وجوده. اما الذي لا يقبل الوجود لا يصح ان تقول قادر عليه و عنه Tout ce qui est impossible selon la raison On ne peut pas dire الله est capable de le faire ou incapable Du fait qu'il n'accepte pas l'existence Du fait qu'il n'accepte pas l'existence La puissance de Dieu et la volonté de Dieu ne concernent pas l'impossible rationnel قدرته سبحانه و مشيئته سبحانه لا تتعلق بما لا يصح الوجود لو تتعلق لو تتعلق لصار مستحيل جائز لذلك قلنا لا تتعلق Parce que l'impossible, s'il est concerné par la puissance et la volonté, alors l'impossible devient possible. Et nous, on dit c'est impossible qu'il rentre dans l'existence. Allah. Allah, ces questions ne sont pas très délicates. Peut-être pour certains parmi nous, on dit « Ah, oh, c'est quoi ce sujet ?» Ce ne pas des sujets difficiles, pas du tout. Nos imams ont bien parlé à ce sujet parce qu'Allah a illuminé leur cœur par la lumière, par la guidée, par la science. بسكو ايتي دي جون مودست اي اي ايزون العقيده بور النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه الله ليزاكيدي لما كان ائمتنا ارادوا ان ينصروا العقيده التي جاء بها النبي محمد التي كان عليها الصحابه واخذوها منه الله سبحانه وتعالى وفقهم وهداهم لذلك بتشوف مثلا قوله تعالى لو كان فيهما ما آلهة إلا الله لفسدتا ما هيك بهذا هذا الاستدلال من القرآن لو كان فيهما ما آلهة إلا الله لفسدتا لا فيهما أي للسماوات والأرض لو كان فيهما pour بور لي et la terre آلهة غير الله دي ديو دي دي أبار الله لفسدتا dire vous allez pas les trouver dans l'existence et vous allez pas trouver non plus dans l'ordre là non. s'il y avait deux, s'il y avait deux divinités, s'il y a deux dieux, un a voulu que le monde existe, l'autre a voulu que le monde n'existe est, pas. est-ce que les deux volontés se réalisent en même temps, non. et si les deux volontés ne se réalisent pas, ça veut dire les deux, c'est-à-dire sans impuissance, si l'un a réalisé, l'autre n'a pas pu, celui qui n'a pas pu, il n'est pas dieu. alors voyez la, la preuve que c'est pas possible qu'il y a deux dieux et c'est pas possible qu'allah aura un. الله فيس <applause> هذا الاستدلال بدليل اسمه دلاله التمانع اي لا يصح عقلا ان يكون لله شريك وبالتالي لا يصح عقلا ان يكون لله ولد وبالتالي ايضا قلنا اذا على موضوع الظلم، الظلم ما هو؟ التصرف بما لا تملك بخلاف اذن المالك C'est quoi l'injustice Le fait d'agir par quelque chose qui n'est pas à toi, sans la permission du propriétaire. Tandis que nous sommes tous à Dieu. Alors on ne peut pas imaginer l'injustice de la part de Dieu, parce que nous sommes ses créatures. Il fait ce qu'il veut. Une femme qui est enceinte. Elle est on lui a dit, ton fils, il va être handicapé. Alors il a gardé. Il a mis en monde un enfant handicapé. Ou deux, un jumeau collé. Un jumeau collé, c'est à moi. Ouais. Alors ils ont vécu 70 ans dans ça. Dans cette manière. Sabrin Est-ce que ça, c'est une petite affaire C'est une grande épreuve. Mais Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. On dit pas qu'Allah est injuste envers ce couple qui sont collés. On dit pas qu'Allah est injuste envers cette personne handicapée. On dit pas qu'Allah est injuste envers cette mère ou, la, ou le père. Allah Ta'ala a des sagesses derrière tous ces actes. Celui qui est éprouvé doit patienter et les autres doivent méditer, dire alhamdulillah je ne suis pas comme celui-là, je dois remercier Dieu. Lui, il doit patienter, résister et continue à adorer Dieu et il aura la récompense et les autres ils regardent dans ça ils disent oh le bienfait pour Dieu qu'Allah m'a donné est grand je, il m'a pas créé comme celui-là alors je dois le remercier alors il y a des sagesses derrière Allah n'est pas injuste even لو الله سبحانه وتعالى جعل فلانا من قبل j'ai vu une personne une fois. J'étais sur la route avec mon frère. Il y avait quelqu'un qui marche sur quatre. Il mettait ici comme, euh, comme des potines des, des, des souliers et il marche avec les et, il mettait ici de la cuir des, des cuirs, des tissus et là dans les genoux dans les genoux il mettait le, les chaussures dans les genoux parce que les pieds comme ça et il marche sur à, à bord de la route dès que j'ai vu subhanallah alazim comme anna ni'mat allah alayya lam yakhluqni mithluh Allah ta'ala quel grand bienfait qu'allah m'a pas créé comme lui fa nta bt sir tu dis je dois remercier dieu sur le fait qu'Allah Ta'ala m'a créé sur un aspect complet. Ce n'est pas de cette manière. Alors, lui, il doit patienter. Euh, et toi, tu dois méditer. Ah, il y a des sagesses. « Voilà Allah Ta'ala Allah Ta'ala Il y a des prophètes qu'on les a sciés »« Il y a des prophètes égorgés » Oh Allah, ils sont des, des, des Prophètes, des, 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 des grands hommes. Allah les a éprouvés, ils, ils ont résisté et patienté. Alors, Celui qui a cru qu'Allah est encore et il a dit qu'il est assis sur le trône, et il est à deux tiers stupide. Il est faible dans sa manière de raisonner. Il n'est pas intelligent du tout. Comment tu acceptes qu'Allah ta'ala est encore Et celui qui a un certain forme et aspect, il a eu besoin de quelqu'un qui lui a donné le forme et l'aspect. Celui qui a une quantité, il a eu besoin de quelqu'un qui lui a donné cette quantité. Et ces gens-là qui ont dit Allah est capable d'être injuste, Allah الله قادر على الظلم هيك الوهابيه وقلت لكم هذا الدجال اسمه عبد الرحمن دمشقيه يقول الله قادر على الظلم يعني انت بتقول هذا تقول قادر على ظلم يصير به ظالما انت كافر اذا بتقول قادر على ظلم لا يصير به ظالما كيف عم تسمي ظلم كيف تسمي ظلم اذا ليس لا يقال عن اي فعل فعله الله ظلم

التلاميذ الشيخ عبد الله يقولون الله خلق العالم من غير حكمة ها أنتم اسمعوا أمامي من قال إن الله خلق العالم من غير حكمة كفر من قال الله خلق شيئا واحدا صغيرا من غير حكمة هو كافر ولكن لما الوهابية ليش تفعل هذا لأن الوهابية ما وجدت شيئا يعاب على الشيخ عبد الله وعلى أهل السنة والجماعة فإذا تلجأ إلى الكذب جدي Euh, une fois, les Wahhabites de la France, ils ont écrit sur Internet, ils disent par exemple, les élèves de Sheikh Abdullah, ils disent que Allah a créé le monde sans sagesse. Celui qui dit ça, il a mécru, parce qu'il dit Allah n'a pas la sagesse, il a mécru. Celui qui dit Allah a créé une petite chose dans le monde, une petite chose, seulement une seule chose, sans sagesse, il a mécru. Même s'il dit une petite chose, une seule chose, une petite chose, Allah la crée sans sagesse, il me croit. Alors pourquoi le wahhabiya il ment Pourquoi il ment Parce que c'est des gens qui ne craignent pas Dieu. Et il faut avoir une règle. Quand il muslim, y a une règle, si un homme a donné le kuffar à un musulman, et qu'il sait qu'il a donné le kafir, parce qu'il a donné le kuffar muslim un musulman de c'est lui qui attribue la mécréant à un musulman. Et il sait que ça, c'est n'est pas juste. Il a attribué à un musulman. Il a mécru parce qu'il l'a déclaré mécréant. Alors lui-même a mécru. « Faizan al-maqdur wal-moumkin yumkin wuqou'uhu haza naqul Allah qadiru ala kulli li shayt » Tout ce qui accepte l'existence, on dit Allah est le Tout-Puissant pour le faire sans exception. « Qalatil mu'tazila la'anaha Allah innahu yaqdir ala zhalika lakin la yaf'al »« Tazalik haza » qu'il y a d'autres à chez al euh, Murtazila. al Murtazila on dit qu'Allah est capable de faire ce qui est impossible, mais il ne le fait pas. Mais ce n'est pas juste non plus. Et encore, ça montre une faiblesse dans la manière de raisonner chez le Murtazila. Lorsqu'il a dit e « Tahaoui, laïsaka mithi shay » c'est-à-dire par son être ne ressemble pas aux créatures par ses attributs ne sont pas aux, aux attributs des créatures par ses actes ne sont pas aux actes des créatures il n'y a pas un qui est similaire à Allah subhanahu même par un seul attribut il n'y a pas de similarité entre Dieu et les créatures même par un attribut هذا المعنى ليس كمثل شيء أي ولا بصفة من الصفات ليس الشرط أنه ليس كمثل شيء أي ليس هناك ذات مثل ذاته مع كل الصفات بل ليس لأحد صفة كصفته إن يبقى أنك ومنرجع من أول الوهابية الضعاف موجود, موجود. هذا هذا Ils hein? disent, Toi, tu es existant, Allah est existant, tu sais, Allah sait, Toi, tu vois, Allah voit, Toi, tu entends, Allah entend. Alors il n'y a pas une similarité, tu ne dis pas du tout. Ça, c'est la coïncidence par le terme, ne donne pas la coïncidence par le sens. انتشوبتسمع. Toi, tu entends quoi الآن. والله تعالى إيش؟ يسمع كل الاصوات تسبيح الملائكه وتسبيح الحوت في البحر وما يقوله النمل ما هيك وكل ورقه تتحرك شكفه كيبوج Il n'est pas occupé d'une chose à la place d'une chose. Alors, comment? Il n'y a pas de similarité. Mais le terme, tu entends, et Allah entend, oui. Mais la tribu, c'est pas, il n'y a pas de similarité par la tribu. Et la même chose, tu dis. haïda <laughs> il lance des choses comme ça pour certains qui sont faibles et qui n'arrivent pas à répondre. C'est la coïncidence par le terme et pas par le sens. Et وليس اتفاق بالمعنى Et أنا موجود أنا موجود طبعا مني عدم والله موجود موجود أزلي لم يحتاج إلى شيء وأنا موجود وموجود ومخلوق وحادث وجودي كوجود الله حاشا أنا أكزيست بيان سور أكزيست Je suis pas néant, مي mais moi, je, je suis créé par Dieu. Euh, J'ai besoin de Dieu. جي ان ديبو جي مي اسكو الاكسستونس دو ديو كوم لو ميان؟ با دي تو ليس كمثله شيء، إن ني با سون اكسستونس سون سون فان. فالآية تنفي مماثلة المخلوق من بعض الوجوه من كل الوجوه، كوم جو فيا دو يقال للوهابية قولكم الآية تنفي المشابهة من بعض الوجوه فقط تخصيص بلا مخصص، إذا قالوا الآية تقول لا من بعض الوجوه لا تشبهونه من بعض الوجوه تشبهونه محاشا لله، ليس اتريبيو. ومن اين لهم ان لا تقولون رسوم تشبهوا با ديو شوز سولمون دو فو الايه سون ارغومون دو كيل دو فو الايه تجعلون ان الايه معناه التخصيص لا تشبهونه من بعض الوجوه لا ولا بصفه من الصفات ولا بوجه من الوجوه قالت الامام السلفي السلفي ابو جعفر رحمه الله ان المماثله اي من جميع الوجوه من بعض الوجوه منفيه هذا معتقد السلف نيار كاينك يرسومل اديو بارتو والله تعالى اعلم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم